Alors, petite update sur ce qu'il nous reste à faire au niveau du mu. Donc, comme vous voyez, là, il est tombé et là, il y a une grosse fissure. Donc, nous, on va bouler comme on a fait de l'autre côté jusqu'à la fissure parce que, évidemment, ça ne tient pas. Donc, ça ne sert à rien de refaire un mur neuf à côté d'un bout de mur qui ne tient pas. Donc, on va tout casser le long de la fissure là, retrouver les fondations qu'il y a ici. Et du coup remonter, pareil que l'autre côté, jusqu'au poteau. Voilà, voilà. Et donc pour petit rappel, voici ce qu'on a déjà remonté de mur. Et donc c'est parti pour continuer. Ce coup-ci, on met du mortier, donc comme je vous avais dit, parce que les pierres sont gélives. Donc on a fait toute la base en pierre sèche, mais là ça commence à prendre trop de hauteur, donc on solidifie avec du mortier. Et si on ne fait pas comme ça dès le départ, c'est juste par souci de prix, parce que ça commence à chiffrer sur toute la longueur du mur. Mais d'ailleurs, petit tip, si vous voulez payer moins cher, il faut savoir que les distributeurs bradent les sachets qui sont déjà ouverts. Donc si vous l'utilisez tout de suite, allez-y sur les sachets déjà percés. Alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, on a pris quelques jours de pause dans le montage du mur pour réaliser les portails. Ceci, c'est ce que mon père a fait quand j'étais à la fac. Et donc je vous emmène pour la réalisation du second. So, here we are. On est en train de réaliser le portail. Donc vous voyez là, c'est pour le grand portail, celui que je vous avais dit qu'on en achèterait sûrement. Hein. Et ben finalement mon père m'a dit mais non on va le faire, donc let's go. Donc là pour avoir une vue d'ensemble, mon père a fait déjà tout l'encadrement en bois. Et donc là ce qu'on est en train de faire c'est couper les bois, les diagonales quoi. Donc pour empêcher, comme le portail est quand même très long, pour empêcher qu'il se déforme vu qu'il sera accroché que d'un côté. Et donc là, on a coupé les deux bouts, là et là, pour qu'ils rentrent. Et maintenant, ce qu'il nous manque à faire, c'est ici, à la croisée. Donc on va prendre la défonceuse et défoncer à mi-bois sur chaque diagonale pour qu'elles puissent s'imbriquer l'une dans l'autre. Et après, il nous restera les petites planches transversales à mettre. Et ce sera bon. Donc là on a tracé la forme des petites planches transversales qu'on va mettre et donc on a marqué tout ce qui doit être défoncé et du coup c'est parti, on va enlever tout ça. Alors du coup comme on enlevait vachement profond et que c'était du bois assez dur, on ne pouvait pas vraiment mettre la défonceuse et y aller en ligne. Donc ce qu'on faisait c'est qu'on rognait petit à petit en s'aidant donc de la petite latte pour aller droit. Et finalement, c'est allé tout bien. Regardez-moi comme c'est propre. Et donc là, c'est la croisée où les deux bois s'embriquent. Et voilà, là, c'est un peu le moment de vérité pour voir si la planche passe ou pas dans ce qu'on a fait, si on s'est trompé de mesure. Et surtout, je galère à le faire parce que je tiens mon téléphone en même temps. Mais petit spoiler, elle passait très très bien. On a assez bien avancé ce matin. On a presque fini un des deux vantaux du portail. Du coup, il est... 13h30, donc je suis en train de faire à manger parce que voilà, il faut manger. Et du coup, je fais un petit truc rapide comme ça, on va pas trop perdre de temps. J'ai fait des petites nouilles chinoises, un petit wok comme ça. Ça ira vite. Et on s'y remet juste après. Et je vous laisse admirer le résultat final donc du premier ventail. Alors, il manque juste un petit truc, c'est le câble de maintien, mais on mettra ça à la fin sur les deux vantaux. Et du coup c'est parti, rebelote, on récupère la défonceuse et on fait pareil donc sur le deuxième ventail. Personnellement je trouve qu'il est allé plus vite mais je sais pas si c'est juste une vue de l'esprit. Et donc dernière étape, ajouter un petit bout de tige filetée et le câble accroché dessus qui du coup maintiendra le portail et évitera qu'il ne travaille de trop et du coup qui reportera bien le poids de l'ensemble sur le pilier donc sur lequel le portail sera accroché. Et donc après ça, on a fini et il est temps de tout emmener. Donc c'est parti pour la pose des portails. Je vous montre quand même le chargement. On a rajouté des planches qui dépassent du van avec un petit torchon rouge. C'est un peu la technique schlagos. Mais bon, au moins on n'est pas obligé de louer un camion ou quoi que ce soit. Donc c'est cool. Et du coup, si je vous emmène voir à l'intérieur les petits portails. Hop. Touk, touk, touk. Donc on va essayer de se mettre là pour que vous ayez une vue d'ensemble. Donc là... Il y a les deux portails à picot, donc c'est là où on a mis les traverses. Ensuite, je vais changer de sens, ce sera peut-être plus facile. Les deux là, c'est donc
là où il y a une beaucoup plus grosse ouverture qui était l'ouverture d'origine entre les murs. Il y a cette petite porte-là avec une petite grille à l'intérieur. Celle-là, c'est pour un endroit où il y avait un petit portillon en ferraille, beaucoup plus à droite des portails. Et en fait, c'était un portillon en ferraille qui était juste posé, et en plus dans le mauvais sens, juste pour bloquer le passage. Donc ben, on s'est dit autant faire ça en même temps pour les grands, pour ceux-ci. Il nous manque des gonds. Et enfin, en fait, on a des pentures sans gonds. Et du coup, je sais pas, je vais sûrement racheter un lot avec pentures plus gonds. Parce que sinon, faut trouver des gonds qui vont sur les pentures. Et puis de toute façon, faudrait les reprendre les pentures parce qu'elles sont un peu courbées. Et il nous en faut des droites. Donc je pense que je vais racheter directement. Ça sera plus simple. Bon, à nouveau, fin de journée. On a pas mal avancé aujourd'hui. J'avais dit que c'était le jour pour accrocher les portails. Finalement, non. Oh, on a un super soleil en plus. Regardez cette beauté. Du coup, non, les portails ne sont pas accrochés, mais on a remonté beaucoup, beaucoup de murs. On n'est jamais allé aussi vite. Surtout que on a mis donc les couches de mortier, comme j'avais dit précédemment. Ah, un bébé! Et du coup, donc ça c'est fait, mais donc ça prend plus de temps forcément, faut faire le mortier dans la brouette, tout ça, le mettre. Et pourtant on est allé beaucoup plus vite. Oui, ma chère, oui. Dans ma cour, hop, je vous montre, ils ont vraiment tout bien rasé. Bon, il y a des endroits où ils mangent pas, mais ça c'est normal, les chevaux ça fait toujours des refus à certains endroits, et voilà. Par contre, donc vous pouvez voir là, j'ai un petit sachet sur mon mirabellier pour le protéger, pas que les chevaux le mangent. Et j'en avais un autre juste ici. Et comme vous voyez, le sachet est au ras du sol parce qu'en fait, il s'est envolé. J'ai beaucoup, beaucoup de vent chez moi. Le sachet s'est envolé et du coup, bah, ils l'ont bouffé. Tu veux des câlins? Il est trop mince ce soir. Toi aussi? Tu dis bonjour? Oui. Wow. Là, on vient... on vient d'assister à une première parce qu'il m'a léché et d'habitude, il essaye tout le temps de mordiller. C'est bien, tu fais des progrès, t'apprends. Là il fait ça parce que du coup je dois sentir le mortier. C'est vrai, j'ai mis les doigts dedans, je vais pas trop le laisser me lécher du coup. Oh, Pierre. Trop mince. Non, tu pousses pas. Non, tu pousses pas. Tu ne pousses pas. Oui. Tu veux rentrer dans la maison, toi? T'as qu'à me cracher dessus, je te dirai rien. Enfin bref, du coup, comme je disais, on a pas mal avancé aujourd'hui, mais j'ai pas fini ma journée parce qu'il faut encore que je mette de l'eau au dadou. Je vais vérifier s'il va pleuvoir cette nuit, parce que s'il va pleuvoir, je ne remplis que le petit abreuvoir, l'autre se remplira avec la gouttière. Mais s'il pleut pas ou qu'on sait pas trop, bah, je vais être obligée de tout remplir. Et là, j'ai la flemme. Bon, du coup, après vérification, des orages sont bel et bien prévus. Le problème, c'est que demain après-midi, et là, avec s'ils ont surtout que le gros... Enfin, il leur en reste, mais dans le gros bidon, donc ils ont du mal à aller au fond. J'ai peur que ça leur suffise pas pour toute la nuit et toute la matinée. Du coup, bah, je vais remplir un des deux petits bidons, comme ça je serai sûre qu'il manque de rien. Update cadavre, j'ai trouvé une petite côtelette. Donc finalement, peut-être que quelqu'un est mort et enterré dans ma cour. Non, je rigole, c'est un animal. Et donc, pour finir la journée, voici où en est notre petit mur. Donc comme vous voyez, ça monte bien. Alors, je vous avais parlé donc des pentures, et finalement, on a bel et bien repris celles que j'avais déjà achetées sur le Bon Coin. J'avais acheté un très gros lot de quelqu'un qui avait démonté ses portails, ses volets, tout ça. Et donc, j'avais des très grandes pentures,
mais elles étaient courbées. Donc on les a coupées en petits bouts pour ressouder et les refaire droites. On a fabriqué des gonds du coup pour aller avec. Et là, on soude les tubes qu'on a enterrés dans le sol pour mettre les targettes du portail. Donc voilà, la soudure, c'est pas trop mon fort. Du coup, j'ai laissé mon père gérer. Moi, j'étais vraiment là pour tenir les trucs pendant qu'il faisait. Mais bon, c'était très très cool. Et au final, du coup, ça nous a coûté beaucoup moins cher que si j'avais racheté tout ça. Donc c'est vraiment super. Et après toute cette étape donc, de soudure confection, je suis passée à la peinture. Donc comme vous pouvez voir là, il y a les peintures bien coupées par endroits, hein. Et du coup on peint tout ça en noir. Donc moi j'ai pris une peinture qui fait office aussi de protection, c'est une peinture anti-rouille. Comme ça ça durera plus longtemps, surtout là où on a soudé en fait, pour éviter que ça rouille et que du coup ça crée des fragilités. Et je vous laisse admirer le résultat donc de toutes les pièces de ferronnerie des portails. Nouvelle journée, on attaque l'autre côté du mur. Donc on a commencé à dégager tout le tas de pierres qui étaient tombées contre le noyer. Je vous montre juste ici. Ça a dû vraiment lui faire un bon regain d'oxygène parce que je sais pas combien de kilos il avait sur les racines. Mais donc on a dégagé tout ça et en fait ça fait super joli de voir le petit passage entre le mur et le noyer. Franchement, moi je suis fan. Ça commence vraiment à être joli et du coup je suis super contente de ce qu'on a déjà fait. On continue également à trouver des fossiles et regardez-moi la taille de celui-ci. Si je dis pas de bêtises, il s'agit d'une ammonite, donc c'est un fossile de mollusque de l'époque préhistorique. Et franchement je trouve ça un peu dingue de trouver ça. Franchement j'adore, comme je vous ai dit, hein, je suis un petit peu fan de géologie, tout ça, et... je fais un peu des études d'archéologie, bon même si c'est pas vraiment archéologie du vivant, j'adore tous ces petits fossiles que je trouve, encore des petites géodes qui brillent. Alors c'est vrai qu'elles sont toutes petites, elles sont pas vraiment d'intérêt de quoi que ce soit, mais moi je les trouve super belles et du coup petit objet de déco comme ça, je pense vraiment faire un petit cabinet avec toutes les petites pierres trop jolies que j'ai trouvées, enfin... Voilà, je trouve que ça rajoute vachement de charme. Bon, là c'est un peu flou parce que j'arrivais pas trop à faire la mise au point. Mais regardez-moi que ces petits cristaux qui brillent. Alors, donc là c'est l'espace du puits où on a tout bien nettoyé. Donc coupé toute l'herbe pour bien voir où est le puits. On a mis une tôle pour éviter qu'il y ait des animaux ou même des enfants qui tombent dedans. Et on a déblayé toute l'auge, donc elle est cassée, il y a les morceaux qui sont là, et il faudra la remonter pour pouvoir la remplir et que les chevaux aient à boire. Alors je vous l'avais déjà mis en short, mais je vous remets ici la petite vidéo donc de l'ouverture du puits. C'est vrai qu'on a pas mal paniqué parce que déjà vous voyez pas la première culbute parce que je l'ai pas filmée, mais là je vous montre la deuxième culbute de la margelle qui a failli donc retomber dans le puits. C'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup de chance et un grand merci à mon voisin déjà qui est venu nous aider avec son Manitou parce que sinon on était un peu dans la merde. Donc après les petites émotions de la veille, la frayeur avec le puits, on s'est attelé pendant cette nouvelle journée à continuer le mur. Donc comme vous voyez ça a quand même pas mal monté. Ça c'était au début de la journée donc je vous fais le petit update sur ce qu'on a fait pendant la journée. Vous voyez que là, il est pas mal haut déjà. Et voici à la fin de la journée. Donc là, on est presque à hauteur d'homme en fait. On a vraiment pas mal avancé. L'autre côté aussi, il est quand même moins haut. Et vous pouvez remarquer un petit papillon sur le mur. C'est vraiment trop joli. Et hop, il s'est envolé. On en profite également pour déblayer le reste du mur encore debout et remettre des tuiles pour éviter qu'il s'écroule. Et nous voilà rendus au jour tant attendu, la pose du premier portail. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend super bien. Le petit portillon est un peu plus bas là, vous ferez attention, c'est pas parce qu'on l'a mal mis, c'est juste il est posé comme ça, il n'y a pas encore les peintures, les gonds, tout ça. Et donc là on l'a posé vraiment comme il faut, et vous voyez qu'il y a encore un petit espace, c'est juste parce qu'il faut faire un dernier réglage, histoire de le mettre bien de niveau nickel. Et donc on a mis la gâche, la partie où vient s'insérer le pen de la serrure, directement dans la traverse.
Et donc après ça, il ne restait plus qu'à déblayer la terre derrière parce qu'elle n'était absolument pas de niveau et donc ça empêchait le portail de s'ouvrir dans son intégralité. Et ça, c'est vraiment la partie qui a été la plus chiante. D'ailleurs, je vais vous la mettre en accéléré parce que bon, c'est pas très intéressant, mais vraiment, on était en plein soleil, on crevait de chaud, plein cagnard comme ça. C'était pas une partie de plaisir, mais bon, maintenant que c'est fait, c'est nickel. Hey ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour sécuriser donc le puits qui est juste là. Qu'on a ouvert il y a 2 jours, il me semble que c'est ça. C'est mon voisin qui est venu avec son Manitou pour nous aider à soulever la margelle parce qu'en fait elle était à moitié dessus, à moitié dedans, enfin elle a failli tomber dedans. On a un petit peu serré les dents mais ça va, elle est enlevée, elle n'est pas tombée dedans. Il y a certaines pierres autour qui sont décellées et qu'il faudra sûrement remettre avec un petit coup de mortier, tout ça. Mais bon, pour l'instant, la priorité, c'est vraiment de sécuriser les abords pour que je puisse mettre les chevaux à brouter dans le terrain. Après, je m'occuperai du puits, donc refaire ce qui doit être fait, reposer une margelle dessus, parce que pour l'instant, c'est juste des tôles, donc pas génial. Et du coup, aujourd'hui, on va planter les poteaux. Alors j'ai de la chance, il m'en reste quelques-uns de la clôture que j'ai fait là où ils étaient cet hiver. Donc j'en ai 2 là et j'en ai mis encore 4, un à chaque angle du coup de la petite clôture que je vais faire là. Du coup là on est vraiment en plein cagnard et il fait super chaud, je pense que je vais taper des coups de soleil aussi. Mais bon, on n'a pas le choix quoi, ça doit être fait et le seul arbre qui pourrait m'apporter de l'ombre c'est celui-là comme vous voyez. Il est pas mort, mais il est pas très vivant non plus. Donc bon, si j'attends d'être à l'ombre, je pense que je peux attendre la nuit. Du coup, c'est parti. Alors, du coup, on va creuser juste là. Quand j'avais planté les poteaux donc pour mon petit pré là-bas, c'est vrai que j'avais loué une petite tarière manuelle qui faisait vraiment tout pile le diamètre des poteaux. Donc je faisais mon trou, j'enfonçais le début du poteau et le reste à la masse. Là, je l'ai pas reloué parce que bah, du coup, en fait, je l'avais loué... C'était un peu loin de chez moi, mais c'était sur ma route quand j'allais. Je sais plus ce que j'allais faire, mais bon. Là, j'ai pas voulu refaire le trajet pour la louer. Et de toute façon, j'avais pas le temps. Il n'y en avait pas dans le coin, bref. Du coup, j'ai une petite pioche comme ça et une petite barre à mine. Et on va essayer de se débrouiller avec ça. Là, c'est aussi sec parce que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas plu. Donc bon, on verra. Je pense que je vais faire mon premier trou pour déjà, en fait, pour que le poteau puisse tenir debout. Parce que je suis toute seule, donc je ne peux pas à la fois le tenir et à la fois te taper dessus avec la masse. Donc je pense que je vais faire mon trou, mettre un peu d'eau au fond pour ramollir la terre. Et après mettre mon poteau et enfoncer à la masse. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Et du coup c'est parti, on commence à creuser. Et donc visiblement le karma n'a pas choisi d'être de mon côté puisque premier coup de pioche que je mets on est déjà sur une pierre. À voir si c'est juste une pierre ou parce qu'il y avait, enfin là il y a une petite auge et ça se trouve il y avait une petite dalle en béton autour, j'espère pas, mais bon, on va regarder. Plot twist, ce n'est pas un caillou, ce n'est pas non plus une dalle en béton, c'est un morceau de ferraille, mais genre gros, donc je pense que c'est encore un... Je sais pas, un bout de merde qui est enterré là, qui doit courir sur toute la longueur du terrain. Bah du coup, on va le déterrer quoi. Je sais pas si c'est pas la pompe du puits. Ça ressemble, hein. Je pense que c'est un bout de la pompe. Il y a une inscription dessus, mais j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Du coup, maintenant que ça s'est enlevé, on peut reprendre notre tâche de creuser un trou pour notre poteau. J'ai pas été d'une efficacité monstre pour enfoncer les poteaux, mais à la fin de la journée, ils étaient quand même posés, ils tenaient. Par contre, j'ai oublié de faire la vidéo du résultat final. Nouvelle journée à nouveau, et donc voici l'emplacement du petit portillon supplémentaire dont je vous ai déjà parlé. Donc oui, le mur est aussi à refaire. D'ailleurs, on a mis des petites vis le long du portillon, comme ça on pourra les prendre dans le mortier quand on refera le mur, et ça maintiendra la petite huisserie. Ça, c'est l'ancien portail qu'il y avait donc à cette place-là. Qui était vraiment mis en travers.
Et donc, comme on peut regarder, les deux animaux sont contents de leur petit portail. Ils regardent les travaux, ça les amuse. Bon, j'étais surtout là pour les empêcher de faire bouger le portail pendant qu'on le posait, histoire qu'il soit de niveau. Parce qu'ils sont quand même curieux, hein, les bestiaux. Et ils n'arrêtaient pas de vouloir le sentir, le pousser. Bon, en même temps, c'est bien. Ça veut dire qu'ils n'en avaient pas peur. Et du coup, c'est plutôt cool. Ils sont assez désensibilisés sur tout ça. Et donc, les voilà. Et donc voilà, comme je vous dis, hein, vraiment, il avait vraiment envie de le sentir, de le toucher. Il est resté devant un bon quart d'heure, je pense. Mais bon. Eh bien. Et donc la dernière étape à laquelle on doit s'atteler, c'est la pose du dernier portail. Enfin, j'ai commencé par nettoyer le petit noisetier qui ne nous empêche pas de travailler avec toutes ses branches. Et ensuite, ça a joué du marteau-piqueur et du burin pour enlever tout le gros bloc de béton qu'il y avait et qui nous empêchait de poser le portail. Ça, c'était très très long. Très très bruyant aussi, donc pour les voisins c'était pas ouf. On a aussi récupéré pas mal de pierres, du coup je les ai mis sur le tas qu'on avait déjà parce qu'on en aura besoin. On n'a pas fini vraiment de monter le mur et j'ai pas pris beaucoup de vidéos, mais on a fait beaucoup de déblais quand même. Alors aujourd'hui on se retrouve sous la pluie. Bon, après c'est une petite pluie fine et dont on avait besoin parce que ma cuve à eau était vide complète, donc pour donner à boire aux chevaux c'était la galère, enfin bref. Passons, j'allais te chercher de l'eau à la fontaine. Voilà, on en était là. Du coup, on va pas se plaindre de la pluie. Et puis, comme je disais, elle est fine, donc ça empêche pas de travailler. Limite, ça rafraîchit. Mais vu tous ces gros nuages là, je pense qu'elle va s'intensifier. Je sens que le vent se lève. Donc, bon, je vous montre aussi par là. Là, c'est pas mal noir. Enfin, bref. Toujours est-il que le programme d'aujourd'hui. C'est toujours la pose du second portail, hein. Donc on n'a pas commencé la pose en tant que telle, on a beaucoup déblayé, beaucoup. J'ai pas eu le temps de prendre de vidéo parce que trop de choses à faire, tout ça. Donc je vais juste vous raconter un petit peu rapidement. Donc à nouveau, on a ressorti énormément de ferraille parce qu'il y avait des clôtures un peu de briquet de broc qui avaient été faites. Des clôtures cassées avec des nouvelles clôtures refaites par au-dessus, des arbres qui avaient poussé dans les clôtures, enfin vraiment une catastrophe. Du coup ça a pris pas mal de temps à déblayer tout ça. Là on arrive sur vraiment un terrain assez net, il nous reste plus que vraiment à aller creuser la butte de terre parce que d'un des deux côtés, donc là où on va mettre le portail, est plus haut que l'autre. Donc il faut vraiment qu'on creuse la butte, qu'on terrasse un peu tout ça. Et après on passe à la pose du portail. Donc ça m'étonnerait qu'on passe vraiment à la pose aujourd'hui. Je sais pas, on verra. On espère que ce soit le plus vite possible fini. Parce que un peu la flemme là. Ça y est, j'ai un peu envie de passer à autre chose que ce terrain là. Enfin la clôture, tout ça soit fini. Que ce soit une bonne chose de faite quoi. Mais bon. On avance bien, donc ça va. Donc voilà l'endroit qu'on a déblayé. J'ai pris vraiment aucune photo avant, donc je vais illustrer avec cette petite vidéo. On voit, c'est vraiment ce qui est tout au bout, là, où je pointe le doigt. Et donc on peut voir que c'était plein de ronces. Il y avait aussi des petits arbres et surtout il y avait des grillages, mais emmêlés dans la terre, des barbelés. Enfin, c'était l'horreur à nettoyer. J'ai aussi cette petite capture d'écran donc de la vidéo où je vous faisais la visite des jardins. Et donc on voit bien les petits érables qui poussaient, les orties, les ronces, le grillage. Bon, ça m'énerve vraiment de ne pas avoir fait de vidéo mieux que ça pour qu'on voit. Mais bon, ça vous donne un peu une idée de la galère que ça a été à nettoyer. Et donc pour couronner cette journée assez harassante, j'ai envie de dire, on s'est pris le déluge, hein. Vraiment, le karma n'était pas avec nous, mais bon, en même temps, il y avait besoin d'eau pour la terre, donc bon. Bon, on était en train de poser le portail,
Et puis c'est le déluge. Du coup, bah, le portail est là et il pleut. Après, c'est bien, hein. Il m'en fallait de la pluie, donc je suis trempée. Yes. Ça a vraiment pas mal plu, hein. Ça a en partie rempli mon eau où j'ai mes plantes, alors que celle-ci n'est pas bouchée, donc l'eau continue à s'écouler. Donc bon. Donc après la pluie, on a pu finir la pose du premier ventail du petit portillon du milieu, et là on est en train de faire le second ventail, donc il faut qu'on mette les pentures, et donc je vous montre à peu près la tête que ça a, comme ça. Franchement, je suis pas mal fière, je trouve que ça rend vraiment bien. Et donc voilà le résultat final quand tout est posé. Il faut qu'on remette de la terre en dessous parce que, comme je vous ai dit, il y a des bosses et des trous. Donc va falloir tout damer. Mais c'est vraiment super joli. Ça fait un petit style un peu ranch comme ça et j'aime beaucoup. Et en plus, regardez, on a eu un super beau ciel. Bon, bah finalement, le portail est posé. Bon, tout n'est pas fini, mais je pensais pas qu'on aurait fait ça ce soir. Du coup, c'est cool. Et voilà, c'est fini pour cette histoire de portail. Alors, je vous laisse quand même avec une petite vue sur les deux portails parce que franchement, je les trouve super beaux. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on n'ait pas fait deux portails identiques. Je trouve que ça rajoute beaucoup de charme. Et donc, je suis désolée que cette vidéo ait pris autant de temps à sortir. C'est tout simplement parce que pendant tout le mois de juillet, je faisais 3 fois plus d'heures au magasin que ce que je fais normalement bah, pour économiser un petit peu parce que tous les travaux, ça coûte cher. Mais donc voilà, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu en août pour publier. Et je vous laisse sur ça, à la prochaine!